Oh la vache! Ah, je vais me bouffer les couilles! On revient loin en arrière! Ok, bon bah on va passer en vitesse rapide, hein, si ça vous dérange pas. Ok. Alors, hop, plus vite. J'adore quand même l'ennemi qui te présente ses excuses de ne pas t'attaquer. J'aime ce concept. Alors, hop, voilà. Oui, je suis super gentil. Allez, dégage, 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 dégage. Faut qu'on avance. Donc, donut. Voilà. On va peut-être terminer un jour. On va peut-être bouffer un jour, pardon. Alors, celle-là, c'est bon. Ah oui, téléphone. Ok. Ok, lui, c'est le truc dont on doit pas se moquer. Non! Aller trop vite, c'est... Non, mais merde! Manette à la con! Voilà. Putain de manette à la con. Ok. Alors, ensuite, ça, c'est la salle avec les trucs, les 45 trucs différents. On va pas se fighter les végétoïdes vu que ça sert à rien. On va récupérer ça. On va aller dire bonjour aux fantômes et on va aller récupérer le truc. Ok. Ok. Merde! Ok. C'est vrai qu'il y a un petit côté Bodrazowski, effectivement. Je crois qu'il n'y avait plus rien d'important là. T'es peut-être là où il y avait un truc juste encore, non? Ou... Je ne sais plus. Non, là où c'était la seule salle qui était vide. Ok. Bon, go. Ah oui, on était coincé dans cette salle-là, c'est vrai. Bon, on va appuyer sur tous les boutons, on va voir ce qui se passe. Rien ne se passe. Rien ne se passe. Ok. Alors, attends. Du coup, on va presser d'abord sur celui-là. Et on va essayer de presser sur celui-là en bas où on est tombé. Alors, non plus. Ensuite, rien ne se passe. Ah! Les putes. Merci de donner une indication au bout d'un moment, c'est quand même gentil de votre part. Appuyez sur le bouton rouge, il est encore caché derrière un poteau ou c'est le vrai bouton rouge cette fois? Non, c'est le vrai bouton rouge, ok. Oups. Alors, végétoïde, dinner. Ok. Merde. Et du coup, il fait sa danse. Parfait. Bon, s'il n'y a pas un point de sauvegarde dans la salle suivante... Ouais, on va prendre notre item. On va prendre... Bonbon, ça rend quoi? 10 HP. Ok, on va prendre le bonbon. Hop là. Use. En espérant qu'on n'a pas besoin de... Ça, le problème, c'est comme les items ont chacun leur nom propre... J'ai peur qu'au bout d'un moment,
Même les items de santé puissent être utiles pour des quêtes ou des trucs comme ça. Je croyais qu'on était amis, putain! Ah, parce que j'ai fait Picon et pas Don't Picon. Oh, mais quel con! Faut que je lis ce qui se passe sur l'écran. Il y a à nouveau un truc caché là. Ça a marché. Alors. Parce que comme ils étaient tous cachés derrière les poteaux, j'ai juste vraiment eu du bol. Alors, il se passe quoi? Est-ce qu'on va d'abord sur le côté ou est-ce qu'on va d'abord en haut? On va d'abord en haut. Spooky as fuck! Alors. Oh mon pauvre, ça a pris plus longtemps que ce que je pensais. Ça va être un peu gênant. Comment tu es arrivé ici, mon enfant? Es-tu blessé? Non, ça va. Je vais te soigner. J'aurais pas dû te laisser seul tout longtemps. C'était irresponsable. Essayer de te surprendre comme ça. Non, mais c'est gentil, c'est pas le problème. Mais... Parce que je veux pas le cacher, viens petit. Ah, j'aurais pas dû prendre par là, mais c'est pas grave. Oh, point de sauvegarde. Voir une maison aussi mignonne et bien rangée dans les ruines te remplit de détermination. Est-ce que tu sens ça? Surprise! C'est un gâteau à la cannelle et au butterscotch. C'est gentil. Ah, parce que normalement elle fait de la tarte à l'escargot. Remarque, oui, les escargots c'est bon aussi. Hein. Et elle a encore une surprise en plus pour moi. Des livres, ok. Oh, j'ai une chambre pour moi. Il y a quelque chose qui brûle. Fais comme chez toi. Ok. J'ai déjà vu ce genre de plan d'abord, avant, plante avant, mais tu ne connais pas son nom. Ok. 2 secondes, hein, j'essaie de remettre mon stick en place. Alors. Regarde tous ces jouets géniaux! Aucun t'intéresse. Un cadre à photo vide. J'ai l'impression qu'on va arrêter de rire bientôt. Plein de chaussures d'enfants dans plein de styles, dans plein de tailles différentes. Rire. Alors. Peut-être Animal Crossing Music. C'est le journal de Toriel. Est-ce que tu veux lire le passage encerclé? Oui. Pourquoi est-ce que le squelette veut un ami? Est-ce qu'il se sentait tout seul? Sortez-moi de là, pitié! Pièce en cours de rénovation. Ouh, c'est moi! Tranquille. Alors. Toujours la plante où on sait pas le nom qu'elle a. Des graines et des crayons cassés. Alors. J'essaye, Los, hein, j'essaye. Alors, est-ce qu'on peut descendre à la cave? Je pense que tu devrais jouer en haut plutôt. Hein? 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 Une folle envie de savoir ce qui se cache dans cette cave maintenant. Alors. Caché derrière une barrière et apeuré à cause des attaques des humains, nous sommes reculés loin, loin dans la terre. Nous avons marché jusqu'à ce que nous ayons trouvé la fin de la caverne. C'était notre nouvelle maison que nous avons appelée maison. Aussi grand que notre roi était, il était un peu à chier avec les noms. D'accord. Ok, donc ça c'est la même chose, il n'y a pas plusieurs bouquins dans le truc, ok.
T'es pas en train de faire une tarte, elle? Qu'est-ce qu'elle est en train de bouquiner là? Allons voir par là-haut. Il y a de la fourrure blanche dans le drain. Oui, ben ça se comprend. Des découpages pour des cookies et des monstres en pain d'épices. La tarte qui sent super bon. Les plaques sont très très propres. Toriel doit utiliser de la magie du feu. Ah bah oui! Pour une certaine raison, il y a un chocolat connu dans le frigo. D'accord. Bonjour mon petit. La tarte n'a pas encore refroidi. Tu devrais faire une sieste. Pourquoi pas, tiens. On va aller faire une sieste. Tout de suite après avoir réessayé d'aller à la cave. Non! Ok. Deuxième édition et le dialogue a changé. Alors. Et si j'essaye de sortir de nouveau, juste par curiosité? Il y avait un truc là en bas, par ici, que je voulais regarder encore. Salut. Juste entre toi et moi, j'ai vu Toriel venir d'ici il y a un peu de temps. Elle transportait des... de la bouffe. J'étais trop intimidé pour lui parler. Intimidé? Quoi, c'est un perso important? Ouh! Nice, lui! J'ai trouvé le... couteau joué. Bon. Barrons-nous, bordel de cul. Allons faire cette sieste, vu que visiblement, c'est la seule chose à faire, et peut-être que ça fera avancer le scénario. C'est quoi ce chapeau? Ah, c'est la tarte! Pardon. C'est gentil. Qu'est-ce qu'elle fait, le morceau de tarte, par curiosité? Ah, tous les points de vie. Ok. Imaginons que nous sommes au milieu de la nuit. Ce serait peut-être le bon moment de... Merde. Il y a des courants d'air ici. Tu vas attraper la grippe. Oups. Bon. Alors. Déjà debout. Mais tu saches que je suis content d'avoir quelqu'un ici. Ça va se transformer en trip à la misérie ou... Elle veut montrer mon endroit préféré pour chasser des insectes. Elle a aussi préparé un curriculum pour mon éducation. Elle a toujours voulu être prof. Peut-être que c'est pas très surprenant. Non, ça ne l'est pas. Bref. Je suis content d'avoir quelqu'un ici. Et tu veux quelque chose? Ouais. Alors. C'est pas que t'as pas l'air cool, Toriel. Tu as l'air cool, tu as l'air sympa. C'est juste que, en fait, quand est-ce que je peux entrer? C'est ta maison maintenant. Pourquoi tu voudrais que je te dise le livre que je suis en train de lire? Ça s'appelle 72 utilisations pour des escargots. Tu sais quoi? Oui, parle-moi de ton livre. Est-ce que tu sais que les escargots parfois renverser sur le système digestif quand ils grandissent. Intéressant. Oui. Ok, d'accord. Comment je sors des ruines? Et que dû faire quelque chose, reste ici. Vous allez me dire que c'est une idée fixe, mais je sais qu'à un moment j'aurai une occasion, il faut que je la saisisse. Ah bah tiens. Tu veux savoir comment retourner à la maison, n'est-ce pas? Devant nous, il y a la fin des ruines. Et une sortie à sens unique vers le reste des catacombes. Je vais la détruire. Alors non, du coup, pour le fait de vouloir retourner chez moi, personne ne va être capable de sortir de nouveau. Ouais, je me doutais que ça allait tourner comme ça. Je sais pas pourquoi. Noah soit un bon enfant et il remonte. Ben non.
Non, 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 en fait. Tous les humains qui tombent ici rencontrent le même destin. Je l'ai vu encore et encore. Ils viennent, ils partent, ils meurent. Enfant naïf, si tu quittes les ruines, il, Asgore, va te tuer. Ok! Je ne fais que te protéger, est-ce que tu comprends? Retourne dans ta chambre. Nope! N'essaye pas de m'arrêter. C'est ta dernière mise en garde. Alors, j'insiste sur le nope, parce que ça me semble un point important. Tu veux te barrer aussi fort que ça? Bah, je veux pas forcément me barrer, je veux juste pas me passer ma vie avec toi. Humph. Tu es juste comme les autres. Non, mais ça, c'est. Alors, à la fois, oui, mais après, c'est un peu compliqué, tu vois, c'est métaphysique. Et qu'une seule solution. La négociation et la tarte? Prouve-toi. Ah, donc juste la tarte. Prouve que tu es assez fort pour survivre. Non, mais on peut en parler peut-être d'abord. Je ne veux pas penser à un sujet de conversation. Mais non, mais. Ouh la vache! Ah ouais, avec la manette qui se barre, ça va vraiment être un problème. Tu sais quoi? Je pense qu'on va jouer au clavier à très court terme. Toriel prépare une attaque magique. T'essayes de réfléchir à quelque chose à dire à nouveau, mais ça ne marche pas. Ok. Ironiquement, parler ne pense pas être la solution à cette situation. Oh la vache! Toriel prépare une attaque magique. Il y a bien un truc. Il y a bien un truc à faire au bout d'un moment, bordel. Check, peut-être? Attaque 80, défense 80. C'est ce qui fait mieux, c'est ce qui est de mieux pour toi. Ah! Ok. Toriel regarde droit à travers toi. Et s'il essaye juste de l'épargner, peut-être que. Oh la vache! Ah! Ça a l'air de faire quelque chose. Mais je pense pas que ça suffira avant ma mort! Ok, item, 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 item. On va prendre le spider de net. Ok, troisième ligne de points, c'est qu'il y a une progression. Point interrogation, d'accord. Je ne parle pas grand-mère muette dépressive. Qu'est-ce que tu fais? Je t'épargne. Un peu comme ce que je ne fais pas avec mon argent toute l'année, tu vois. Attaque ou t'enfuis-toi? Non, 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 c'est pas le projet. Ok, donc maintenant on va prendre du coup la tarte, hein, vu qu'on a littéralement plus de santé. Aïe, aïe. Je fais littéralement le contraire de ce que je devrais faire. Qu'est-ce que tu prouves de cette façon? Bah, je prouve que je vais t'épargner, voilà, c'est tout. C'est quoi? Plus tu insistes, plus je vais continuer juste parce que ça t'emmerde, vieille. Combats-moi ou barre-toi? Eh ben, je vais me barrer à ce moment-là. Hein? Parce que là, je vais crever sinon. Donc, tu sais quoi? Je me barre, voilà. C'est ça, remonte. Déjà? Qu'est-ce que ça va faire pour que tu apprennes ta leçon? Ah, tu. Ah oui, d'accord. Bah, donc, du coup, non, hein. Bah, du coup, je vais me re-enfuir. Et du coup, je vais revenir. Ok, donc non, visiblement, ça marche pas. C'était une erreur, donc. Alors. C'est toujours pas ça. Ok. 2 PV. Ah ouais, donc on reprend ça depuis le début. Ah tiens, je l'ai fait fuir maintenant. Hein. C'est une constante? Oui, c'est une constante. Parce que je suppose que la prochaine attaque me tuerait, mais qu'elle n'a pas vraiment envie de me tuer, et du coup il y a un truc, non, c'est ça? Peut-être que si je continuais là-dedans, ça va marcher. Alors. Ok. On va continuer sur ce chemin jusqu'à ce que ça nous donne quelque chose. Ça a l'air de les repousser de plus en plus loin, j'ai l'impression. Ok.
Toriel agit bizarrement. Est-ce que maintenant je peux peut-être lui parler? Tu essayes de penser à quelque chose à dire, mais ok. On va continuer aussi avec ça. Acting aloof. Aloof, ça veut dire quoi? Ça veut dire bizarrement, non? C'est. Je crois que c'est un truc comme ça. Est-ce que si on essaie de se faire. Stop it! Ah! On va continuer du coup. Il y a un changement de dialogue. Ok. Arrête de me regarder comme ça. Nope! Salut, ma zig! Dégage! Bah non! Je vais littéralement même plus toucher à la direction maintenant. Point de suspension. Repoint de suspension. Je sais que tu veux rentrer, mais. S'il te plaît, remonte. J'ai littéralement plus que cette possibilité-là maintenant. Je promets que je vais prendre bon soin de toi ici. Alors, j'en doute pas une seule seconde, Choupette. Vraiment. Tu as l'air à mort dans la prise de soins, etc. Non, non. Il y a une... Alors, juste qu'on soit très clair, il y a une confiance totale entre toi et moi. Tu vois, on est là, toi et moi. Mais néanmoins, je sais qu'on n'a pas beaucoup. Non, mais c'est pas grave, moi, il ne faut pas beaucoup dans la vie. Mais il faut quand même que je me barre. On peut avoir une bonne vie ici. J'en doute pas une seule seconde et je t'appellerai, on se tiendra au courant, tu vois. Il y a un feeling qui va rester. Mais il faut que je me casse. Pourquoi est-ce que tu rends ça si difficile? Parce que c'est ma nature. S'il te plaît, remonte. Toujours pas. Ah ah. Pathétique, n'est-ce pas? Je peux même pas sauver un simple enfant. Mais non, mais t'en fais pas. Tu m'as bien appris, je vais me démerder. Non, je comprends. Tu serais juste malheureux, emprisonné en bas. C'est pas faux. Les ruines sont toutes petites une fois que tu t'y habitues. C'est pas faux non plus. Ce serait pas bien que tu grandisses dans un endroit comme ça. C'est pas faux non plus. Mes attentes, ma solitude, mes peurs. Oh, pauvre Choupette. Pour toi, mon enfant, je vais les mettre de côté. Pauvre Choupette. Tu veux vraiment quitter ces ruines, je ne t'arrêterai pas. Et quand tu pars, s'il te plaît, ne reviens pas. J'espère que tu comprendras. Oh! Oh. Au revoir, mon enfant. Oh. Oh. Barrons-nous. Donc, salut, Romain. Journée à toi. Oh merde. Donc ça va être un problème. Intelligent, vraiment intelligent. Tu penses que t'es vraiment intelligent, n'est-ce pas? Dans ce monde, c'est tu ou soit tu es. Alors tu as été capable de jouer par tes propres règles. Tu as épargné la vie d'une seule personne. Je parie que tu te sens super bien. Tu n'as tué personne cette fois. Mais que vas-tu faire si tu rencontres un tueur qui ne s'arrête jamais? Tu vas mourir et mourir et mourir encore une fois jusqu'à ce que tu n'aies marre d'essayer. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Vas-tu tuer frustration dans la frustration? Ou vas-tu abandonner ce monde entièrement? Et laisser à moi le pouvoir de le contrôler. Ah d'accord, c'est ça ton putain de problème. Je suis le prince du futur de ce monde, ne t'en fais pas, mon petit Mona. Mon plan n'est pas le régicide. C'est tellement plus intéressant. Alors je savais, Mazik, qu'il y avait un patch FR, mais le patch FR il fonctionne que sur une version inférieure. Et j'avais envie de le tenter avec la nouvelle version. Donc voilà. Et puis, ça me dérange pas de faire la traduction à la volée.
Et parce que je préfère jouer généralement en VO qu'en VF. Undertale.